Vous, je sens que vous voulez lire Blue Period, un excellent récit initiatique sur le monde de la peinture et de l'art en général. Notre héros, Yatora, est un élève un peu voyou mais studieux qui a fixé sa vie sur les rails de la réussite professionnelle japonaise classique, mais malgré ses bonnes notes et sa popularité, il ressent un vide en lui. En tombant sur le club d'art de son lycée, il se retrouve envoûté par un tableau magnifique et remet alors en question la superficialité de sa vie en voulant se consacrer à la peinture et viser les meilleures écoles de beaux-arts du Japon. Une nouvelle vie s'ouvre devant lui, jonchée d'introspection, d'épreuves et rencontres avec des personnages intéressants et hauts en couleur. Blue Period montre un héros qui non seulement montre une passion lui donnant envie de se surpasser comme un héros de shonen typique, mais il trouve surtout dans la peinture un vecteur de communication, d'expression, là où les mots sont insuffisants. En plus d'apprendre plein de choses sur le monde de la peinture et des beaux-arts japonais, vous vivrez une belle aventure émotionnelle sur des personnages qui cherchent à se comprendre eux-mêmes, ainsi que les autres. Rien de mieux qu'une histoire délicatement dessinée pour parler du pouvoir des dessins. Vous voulez plus de conseils manga ? Abonnez-vous !